enfin pour pas déranger ton stream. Bonjour VOD. Bonjour VOD, nous sommes sur The Dark Picture Anthology Devil and Me. Avec Jill Osiris, la ravissante Jill Osiris, Bandai Namco a accepté généreusement de lui confier deux clés pour qu'on puisse y jouer ensemble. Du coup, merci à eux. Et je suis trop contente et j'ai trop hâte. Et voilà, et j'espère que vous allez kiffer. Cette découverte fait suite un petit peu. Enfin, j'avais proposé à Dilo avant, mais. Fait suite un petit peu à la découverte de Little Hope que j'ai fait avec mon frère il y a quelques jours et que j'ai kiffé aussi. Qui, du là, coup, sera alors, sur la chaîne avant. Stream, une grosse, 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 grosse différence entre ta luminosité et la mienne. Oui, peut-être. Que toi, t'as cliqué sur. Attends, enfin, je sais pas si t'as lu ce qu'il y avait écrit. Oui, mais moi j'ai déjà. Pour en avoir joué à un des jeux il y a quelques jours, j'ai préféré le booster un chouïa. Ah, parce qu'il y a quand même. Il y a une grosse différence quand même entre toi et moi là. Bon, je sais pas là, faudrait que je voie exactement la même scène, j'ai pas trop vu. Ah oui, t'as mis à 25 mais moi par exemple, ça sur. Que celle du centre soit à peine visible, c'est pas celle de gauche. Bah oui, mais pour moi là, celle du centre, je la vois juste pas du tout sur ton stream. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'on voit même pas. Enlève ta lumière sur ton visage. Moi, sur j'ai, mon visage. Ouais, la regardez. Regardez les gens. On ne voit rien au centre. On est d'accord. Non mais oh. Après, je peux mettre moins, mais c'est qu'en fait. J'avoue que chez toi, on voit pas très bien. Mais c'est qu'en fait, vu que le stream a tendance un petit peu à faire. Enfin, forcément, un jeu qu'on voit via un stream, on verra légèrement moins net. Et du coup, j'ai tendance à préférer mettre un petit peu plus de luminosité. Parce que sinon, bah, en stream, tu risques de voir un écran un peu plus sombre encore que le streamer qui voit déjà un écran sombre. Mais voilà, c'est un choix. Après, je peux mettre mieux si vous le voulez. Pas de soucis. Si vous préférez que ce soit plus sombre. Mais voilà, c'est plus dans le cas du stream où je ne mettrais pas la même luminosité si j'étais pas en stream, c'est ça que je veux dire. C'est dans affichage peut-être plutôt, je sais plus. Dans commande, graphisme. C'est où la luminosité déjà? C'était dans paramètres. Accessibilité, non. Ouais, je suis dans paramètres, mais je sais plus. Je sais plus où c'est. Affichage. Ah, c'est dans affichage. J'étais dans graphique. Oui, mais je l'ai vu en plus. Moi, je vois rien, moi. Parce que là, il est. Pour moi, là, c'est à peine visible. C'est visible, mais c'est à peine visible. Attends, j'enlève ma lumière, je regarde ton stream en full screen. Moi, j'avais mis comme ça. 46. J'avais mis. Non, j'avais mis à 60. Ouf. Pour moi, ça, c'est à peine visible. À peine visible, il y a écrit que celle du centre doit être à peine visible. Mais c'est à peine visible. Genre, on voit pas les détails et tout. Faut pas que ce soit mais faut pas que ce soit disparu, hein. Toi, le tien, il est quasi disparu. Mais il y a écrit à peine visible. Quand c'est à peine visible, c'est que c'est quasiment disparu. C'est que tu écoute, le vois pas du tout. Tu te rendras compte. Tu te rendras compte. J'ai déjà... Eh, franchement, je suis passée de 60 à 47. Ça va. Ça va. Et tu te rendras compte. T'inquiète pas, mon stream sera très sombre. Il y a fortement moyen que j'augmente la lumière. je dis ça en ayant joué à un de leurs jeux il y a quelques jours. Ou forcément, voilà. Mais t'inquiète pas que... Et pourtant, j'avais mis une luminosité à 50 à ce moment-là, même plus, je crois. Et je te garantis que si on regarde les VOD, c'est sombre, hein. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Mais voilà, c'est surtout pour que si... j'ai peur qu'en mettant une luminosité trop faible, les petites choses... Parce que dans l'arrière-plan et tout ça, dans ces jeux-là, y a des choses à voir, des petits trucs et tout ça. Et j'ai peur qu'on passe complètement à côté si on a une luminosité, par contre, trop sombre. Voilà. Non mais ouais, bah il y a moyen qu'on augmente ça pour le coup. Alors oui. Trouver un emoji qui sera parfait pour le stream de ce soir. Oui, c'est ça. Un lapin qui est effrayé, il a des gouttes sur le front. Ah oui, il a des larmes. Tu peux peur. C'est triste. Ne jouez pas seul, soirée télé ou histoire partagée? Histoire partagée. Alors soirée télé en fait dans Dark Picture Anthology, et ben tu peux, faut savoir que vous pouvez jouer jusqu'à 5. Merci Venice. Bienvenue à toi. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 en soirée télé sur un seul jeu, mais en local. Et où en fait, chacun aura son propre personnage et vous passerez la manette à chaque fois que ce personnage sera en train de jouer. Ça mettra un message en disant « Ah, c'est à machin de jouer ». Vous choisirez vos pseudos avant et voilà, l'histoire vous préviendra quand c'est à vous de jouer. Mais vous voyez qu'un seul écran, qu'un seul point de vue à chaque fois, machin.
Et sinon, il y a la version à deux joueurs où vous avez, il faut du coup posséder tous les deux, si j'ai pas de bêtises, un exemplaire. Et vous pouvez jouer ensemble, mais cette fois, on jouera des personnages différents régulièrement et surtout, on verra pas les mêmes scènes. On verra souvent, ça permet de voir le jeu un peu plus en profondeur. On voit des scènes en plus, etc. Et on joue en même temps. C'est ça qui est vraiment cool. Et en plus, parfois, on pourra même discuter, nos personnages discuteront et tout. Et du coup, bah, on devra interagir l'un avec l'autre. Enfin, c'est assez chouette. Et je trouve que c'est la meilleure option. Donc on met histoire partagée. Tout à fait. Et du coup, on peut s'inviter. Je sais juste que quand je fais inviter... Ah oui, ça va m'ouvrir le truc Steam, c'est ça? Là, je viens de créer un truc. Mm-hmm. Hop là. Ah, mais c'est moi qui t'invite ou c'est toi qui m'invitais? Ah bah c'est toi qui m'invitais. Eh ben, let's go. Ouais. Apparemment, The Quarry propose également ce mode de fonctionnement. Tout à fait, il semble aussi. Mais The Quarry a un côté un peu plus second degré fun. Là où on sera quand même plus premier degré dans les The Dark Picture Anthology. Ce sera pas le même type de... Ce sera pas le même ton. Ok, bah du coup c'est toi. Non, je me suis renseignée dessus parce que j'hésitais un moment. Et je me suis dit, ah, vu qu'à l'époque je voulais vraiment un vrai truc un peu horreur, bah le côté un peu second degré, un petit peu volontaire hein, qui est dans le jeu, qui est un peu rigolo et tout, bah... Moi, c'était pas ce que je recherchais à ce moment-là, du coup, je l'ai pas fait. Mais peut-être qu'un jour. Hein. D'accord. Moi, ça me fait peur et j'ai peur que les gens ils meurent tous, ça m'angoisse quoi. Ouais, ça c'est possible, hein. Mais c'est possible. Voilà, tout ce moi, que je peux dire. T'es avec moi. Ah oui, t'es avec ouais, moi. Je suis là, donc écoute, tu fais une nouvelle histoire. Autre emplacement. Tu es marié avec Jeff ou Marie? Ah oui, voilà, tu choisis ton personnage de départ, mais on va sûrement changer au cours de l'aventure, normalement, de toute façon. Bon, je vais être Jeff. Mais voilà, comme ça tu vois le point de vue de Jeff au départ. Et moi, celui de... Comment s'appelle l'autre? Marie. Marie. Mary. Ok, Mary. Let's go. Mary. Ah, ça va être cool. Ah, faut peut-être que... Ah oui, faut que je mette prêt. T'es du genre à crier? T'es du genre à jouer dans le noir? T'es du genre à quoi? Alors moi, là, je me suis mise en fond vert parce que ma caméra, je trouve qu'elle prend trop de place dans un jeu comme ça. Mais sinon, ouais, moi je suis du genre à jouer full dans le noir, à jouer à ce jeu en VR et à me mettre dans l'obscurité à plus totale. Mais je crie pas beaucoup, c'est mon frère qui criait beaucoup la dernière fois où on jouait. Bon, bah là j'ai éteint ma lumière sur mon visage. Vous me voyez quand même. Ah, c'est pas con. Je vais voir, attends, je regarde un peu l'ambiance. Ah, ouais, c'est sympa. Mais en fait, en réalité, je suis pas dans le noir. Non, non, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Moi je pense que j'enlèverai un petit peu ma cam quand ce sera des petits trucs et tout. Alors, faut simplement dire qu'on est prêt. Ok. Parce que voilà, le jeu, il lance jamais le jeu tant que les deux joueurs n'ont pas montré qu'ils sont prêts. Et pareil, quand on fait start, histoire qu'il n'y ait pas un qui commence à tout faire et puis l'autre perso meurt parce qu'il n'était pas là, en fait. Bon, voilà. Je pète le feu depuis que je me suis... Ah, tu t'es fait opérer pour tes dents? Incroyable. Bravo, Vendis. Donc allez sur le live de Dilo Ziris, évidemment, si vous voulez voir le point de vue de Dilo. Là, pour le moment, ça va être le même, mais ça va changer. Je vais pas faire alt-tab pour vous donner le lien. J'aime pas ça. Chaque choix a des conséquences. Je vais pas faire alt-tab pour vous montrer le lien, parce que sinon, ça va faire pause. Mais les modos, n'hésitez pas à mettre de temps en temps le lien de Dilo dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Et t'inquiète pas qu'ils vont bien appuyer là-dessus. Go avoir peur. Oui. Oh. Oh non. Death. Mais l'oiseau aussi va y passer là. La grande roue fait 80 mètres de... Alors les corbeaux, je me demande si c'est pas un peu un symbole de la licence parce que je crois qu'on en voit dans chacun. Genre en gros plan un peu qui ont un sens. C'est la première chose que je veux faire. Dites-moi si vous entendez bien le son du jeu. Là, il est un peu bas pour moi aussi. Tu veux dire que tu n'es toujours pas lassé de moi après toute une journée de mariage? Je ne me lasserai jamais de toi. J'espère que tu dis vrai, ma chérie. Tipo est un peu difficile à lire, là, moi. Enfin, eh bien, moi, les oui. Ouais. Bah, j'ai vu Snake quelque chose, mais j'ai pas vu le nom. N'est-ce pas sublime? Comme sur la brochure. Fantastique. Ça fait peur. C'est vrai, t'as déjà peur? Direction l'accueil. Ce
serions-nous les seuls ? J'imagine la cohue ce matin pour l'ouverture de l'exposition. Je suis désolée, je vais casser l'ambiance. T'es dans les paramètres ? Moi, oui. Je vais aller dans les paramètres. Moi aussi. Ouais, désolée. Ah. Faut que je mette plus fort. Et je vais mettre en jeu fenêtré, histoire d'être sûr. Hop là. Moi, la couleur des sous-titres, je vais enlever. Et sous l'arrière-plan des sous-titres, ah ouais, je vais en mettre un parce que c'est illisible. Non, je vais garder la couleur des sous-titres, mais je vais mettre quand même un arrière-plan. Ils font trop gentil, aucun couple n'est aussi cucu et la praline. Mais ils sont amoureux. Alors là, c'est pas contemporain. Le jeu est contemporain, mais là, on a clairement une scène qui n'est pas. Et je sais pas pourquoi ça marche pas à capture du jeu, mais c'est pas grave, ça arrive très souvent. Je reste en capture d'écran, mais par contre, je vais mettre plus fort. Hop. Et moi, le chat, on entendait bien le son de mon jeu ou pas ? Ouais, n'hésitez pas à nous dire. Ok. Je vais mettre. Est-ce qu'on entend ? Est-ce que les voix sont à fond ? Je vais vérifier quand même. Oui. Ok, j'ai mis plus fort. Bon, ça va peut-être un peu nous péter les oreilles parfois, mais c'est ce que veut le jeu aussi, un petit peu. Quelle horreur, une époque sans internet. Elle a déjà eu peur en Témonia. Salut Oxfay. Réessai ? Ok, là ça devrait être mieux niveau son. Ah, pas pour Gilo. Ah merde. Oui, quand on fait alt tab. J'ai voulu faire un alt tab. Et ouais. Oui, bon, c'est... J'ai l'impression qu'ils disent qu'ils entendent toujours pas assez. Non mais si, là je peux pas mettre plus haut. Ah, vous entendez pas beaucoup aussi Gilo ? Ah, je me mets plus fort. Ah, c'est moi qu'on entend. Ouais, non. Non, mais là c'est pas de soucis. Son du jeu est good. Ok, ouais, c'est vrai que dans... J'avais mis peut-être Gilo, enfin le Discord un peu bas pour vous. Moi, dans mes oreilles, c'est différent, mais pour vous, peut-être un peu bas. Là, normalement, c'est comme moi. Hein ? Ok, continuez. Pardon. Pas de soucis. Oh merde ! Il a pas l'air très en forme, le maître d'hôtel. Salut Asmo. Je choisis comment ? Ah. Voilà qui inaugure rien c'est toi de qui bon choisis. La qualité du service dans cet établissement. Oh merde. Ah, trop marrant. De Marie. Ah mince. What ? Oh non, je suis à la souris. Bah alors, pourquoi je suis à la souris ? Le personnel doit être restreint et débordé. Oh merde, tu as... Attends, excuse-moi, je vais réel tab, mais... What the fuck, j'étais pas à la manette. Ça va être bon, hein. Bah voilà, il y a écrit souris clavier. Oh, mais non, je veux manette. Du coup, j'ai rien dit. Mon personnage n'a rien dit. Parce que... Bah... Oh merde. Parce que, bah, en fait, je pouvais plus choisir, j'essayais la manette, ça marchait pas. Voilà, ils c'est bon. Ils nous font attendre car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. C'est tout toi, Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. Non, c'est toujours si politiquement je vous correct. Je présente mes excuses. Oh. Hmm. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente. Mon attention était requise ailleurs. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des convenues. Bienvenue à l'hôtel de l'exposition universelle. Tenez, signez ici. Vous découvrez Chicago ? Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. C'est vrai, oui, mais ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Tu veux que j'en fasse quoi du stylo, là ? Oh ! Oui, c'est la première journée où nous pourrons pratiquer le sexe. Voilà qui est tout à fait charmant. Oui, c'est aujourd'hui que débute notre lune de miel. Ooh. Félicitations. World Fair Dans Hotel. Dans ce cas, World vous méritez Hotel. Notre okay. plus belle chambre. Ok. Vous décrochez la suite nuptiale.
Oh ouais, on a la suite nuptiale. Combien cela va-t-il coûter? Oh. Soyez sans inquiétude. Il n'y aura aucun supplément. Cadeau de la maison. Vous êtes nos premiers jeunes mariés. Il fait trop peur. Il est beaucoup c'est trop angoissant. Merci, monsieur. Henry Howard Holmes. Merci, Anté. Vous avez un très bel hôtel, monsieur Holmes. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Ah oui. Seriez-vous architecte? Quoi? Architecte, inventeur, maçon, médecin, artiste. C'est mauvais signe. C'est mauvais signe quand t'as. Disons simplement que je suis un touche-à-tout. Oula. Impressionnant. Allez-y, faites comme chez vous. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout dernier préparatif. Ah ouais, donc laissez il est toujours tout seul si en plus. Si un article vous intéresse, je l'ajouterai à votre note. Il a bâti tout seul, mais il n'a toujours pas d'employé. Ah merci, si monsieur non. Holmes. Vous êtes bien aimable. Tout le plaisir est pour moi. Oh là là, Dijo et Lox qui vont faire des trucs dans la chambre. Ouais, on va jouer à Pokémon. Ah, c'est changer tous les trucs qu'on veut s'échanger là. Oh 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 ah. Ouh. Il regarde la mariée. Alors, moi je peux un petit peu regarder des indices. Qu'ai-je pu oublier de prendre? C'est quoi hein? Heureusement que je vois ton stream. Hein. Face Potter. C'est ça? Face Po, je sais pas quoi. Powder, ouais, c'est bien ça. Ouais, je voyais que Po, j'ai dit Po. Ah, on vole des objets ? Non, non, c'est que ça va être ajouté à notre note, il a dit. Là, genre, on prend. On prend et on lui dit et. Oh. Pourquoi j'ai pris un. Pardon, mademoiselle. Ah, toi, t'as volé ? Parce que moi, j'ai pris un objet. Garde, mon mari pourrait se montrer jaloux, alors gardez vos distances. Votre mari est un homme d'honneur. La lune de miel s'annonce bien ? Très bien. Je vous remercie. Nous devons monter. La chambre doit être prête. As-tu trouvé ce que tu voulais dans la vitrine à bijoux? Quelque chose pour moi. J'ai pas pris pour tu elle. Aimerais bien le savoir. C'est vrai. Qu'est-ce que ça a pris? Le mec s'est pris une montre pour lui. Ça sera la surprise. Ouais, on est un petit peu sur les Ken et Barbie des années 1800. Je me demande ce qu'il y a là. Bête. Pardon. et après elle me critique. Hein. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes? Possible. Oh, mais tu sais que cette entrée? Pourquoi il rend, il fonce dedans? Tu peux pas juste pousser. J'ai vu au loin une sorte de drap sur quelque chose. Je sais que tu ne renonceras pas. Hein, vraiment, l'écran il est vraiment sombre, hein, même avec ma luminosité. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai vu. Privé ? Je défonce la porte. Mais oui, mais parce qu'ils ont pas le droit d'être là déjà. Ah, pourquoi ils ont pas le droit d'être là ? Bah, il y a écrit privé. Je crois. Oh oui ! Oh oui, oui ! Quoi ? Il faut faire quoi ? Faut faire A ! Pour pas se faire repérer. Quoi ? Attends, t'as toussé ! T'as pas su respirer ! Vous vous êtes égaré ? Il semblerait que ce n'est pas la bonne chambre. Cette pièce. Ça fait repérer comme des bleus. J'ai appuyé sur le bouton au bon moment. Oui, mais est-ce que c'est bien la manette qui a détecté ? Il est écrit privé à du vous. C'est bien la manette ? En effet. Il pouvait pas fermer la porte derrière eux, mais oui, je suis d'accord. Même pas vous rompre le cou en passant à travers le plancher. Ouh là là là, ça fait des références au cou tordu là. Vraiment, excusez-nous. C'est sans gravité. Je ne pense qu'à votre sécurité. Oui. Il y a de quoi s'estropier. Oui, j'influence Gilo. Moi, je dis couille, elle dit ma bite. C'est parfait. Soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Ah, ça défonce. Merci infiniment, monsieur Holmes. Je vous souhaite un bon séjour.
Il a un visage un peu en plastique, le monsieur. Si vous permettez, j'ai du travail à terminer. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Non mais pourquoi toutes ces phrases sont dites avec cet air étrange? Oh, ils sont trop des foufous. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi. Son chapeau, il est devenu noir. Oui, elle avait pas un chapeau jaune, t'as l'air. Oh, toi. Je sais pas, là, je vois pas de chapeau, en fait. Sur le porte-manteau, d'ailleurs. Ah, j'ai pas fait attention. C'est pas son chapeau, donc, lui, peut-être. Ce n'est pas très gentil. Oh. Oh non, il va... Ah, tiens. Hé hey. Ah, dans le mille. Tu l'auras voulu. Devrais-je avoir peur? Tu devrais. Attendez, dites-vous que ça c'est moins gênant que le jour où on va jouer à des jeux. Attends, multi. Genre les Sims en multi, hein. Oh, ça va être très drôle. On va faire des bébés. Victoire! Oh, on a débloqué un bonus! Tu as triché! Les chaussures sur le lit, ah ça m'énerve. Oui, j'aime pas non plus. Je voudrais te montrer quelque chose. Je l'ai achetée tout à l'heure. Elle était vendue à la moitié de son prix. What the fuck? C'est... C'est vraiment ça, tu t'es vraiment pris de monde pour toi. Non mais j'y crois pas, je disais ça à moitié. C'est honteux. Elle est trop deg. Regarde comment tu l'as... Je savais pas. Oh là là, elle est terrassée. Et franchement... Pas. Franchement, je dis... Une montre. Pourquoi? Si tu prenais ton bain. Et pendant ce temps-là, je me rase. D'accord. Je savais pas. Il y a une caméra. Non, pas à cette époque, si. Oh, putain. Ah non, c'est un œilleton, c'est un œilleton, ouais, là, c'est ça. Quoi. Un Judas, ouais. Oh merde. Choqué déçu, mais grave. Vas-y, je te quitte, Gilo. Un truc, j'avais pas quoi, c'était ton cas. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas, elle. Elle est bizarre. J'ai le choix de rien. Ça s'ouvre pas. Oui, ça s'ouvre pas. Dit, il faut peut-être ça, ah, c'est restroom peut-être. Ah, faut qu'on appuie ensemble. Les toilettes, c'est pas dans leur chambre du coup? Ah, c'est pas le bon bouton que j'appuie. Du coup. Ah, non, mais. Oh, bah, on a quand même réussi. Sésame, ouvre-toi. Oh, c'est les toilettes. Merci. Ouais. Si tu allais te raser pendant que je prends mon bain, ensuite, eh bien, nous allons. Il va se raser où du coup? Un verbe dangereux. J'espère qu'on pense à la même chose. Va te raser. Je crois que j'ai oublié mon nécessaire de rasage. Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. En tes jeux, un follow Gilo. Elle a choisi la montre. Je savais pas, moi, au début. J'ai pas compris que c'était ton cadeau ou que je sais pas. Alors, je peux m'équiper d'un objet. Ah bah oui, je peux prendre du coup la... Le petit truc que j'ai acheté là, je peux. Bon, attends, j'avoue que c'est un peu sombre. Attendez une seconde. J'avoue, vas-y. Je coupe la scène du bain là qui paraît d'être pas mal. En fait, c'est moi le voyeur à travers l'œilleton là. Je regarde tout ce qui se passe sur ton stream. Attends, j'avoue. C'est vrai. Ouais, je te vois prendre un bain là. Imaginez si on pouvait faire ça en vrai, c'est choquant. Alors, affichage. 46, t'as dit? Ouais, 40... c'est ça, ouais. 46, ouais, quelque chose comme ça. Oui, 46, 47, peut-être. Pardon. Hop, je vérifie aussi mes commandes si c'est bon. Ouais, c'est bien la manette qui est sélectionnée. Parce que sinon, pour les QTE, ça va mettre des QTE chiants. Voilà. Enfin, des QTE, moi, je ne les maîtrise pas, quoi. QTE clavier, c'est chaud. On apprend trop de trucs sur Gilo. C'est une voleuse, elle regarde des gens dans leur salle de bain. Bah non. Tout n'est que tromperie. Oh merde. Je sais que c'est toi que j'attends là. Moi, c'est toi que j'attends. Je vois que je suis prête et je vois que toi, t'es pas prête. Ah bon? Ah oui. Oui.
Ah oui, c'était prêt. Pardon. Ouais, ouais. Je te voyais manger, je disais rien. Je me suis dit, bon, je vais attendre 5 minutes, c'est pas grave. Hein. Elle est pensive, ta bonhomme, là. Ah, oui. C'était ta pause, hein, c'était le décalage. C'était la pause. Mais peut-être qu'elle réfléchit à cette histoire de montre, tu sais. Oh là, quoi? What? Attends, j'ai vu quelqu'un dans la... J'étais long... Attends, on est d'accord? Je suis pas folle? Oh oui, il y a un mec, là, ouais, derrière toi. On a complètement vu un mec, là, et elle l'a pas vu, j'aurais été trop obvious. Oh, ça fait peur. Bon, je tiens à dire un truc, c'est que je suis un peu perdue, là. Oh mon dieu! Bah moi j'entends des bruits bizarres! Sérieux? Bah ouais, c'est peut-être moi! Oh là, y'a quelqu'un qui est dans ma tête là-bas! Oh, est-ce LB, c'est quoi LB? Des petits jeux? Salut Cortan! Examinez quand même, y'a quelqu'un dans ma salle de bain! Mais où la chambre? Très bien, petit roublard! Ah, c'est peut-être celle-là, attends! Vous ne m'aurez pas comme ça, monsieur! Bonjour, oh merde, je suis vous ici. Oh non. J'ai un peu je peur crains là. Qu'il ne puisse pas vous entendre. Je crie. Non, on me tue. Je sais pas, mais je n'en ai pas terminé. On me tue. Marie, mais elle est où la porte, putain? On me tue. Je suis en train de voir tout ce qui se passe. Vous ne feriez que prolonger vos souffrances. Qu'avez-vous fait? Calmez-vous, monsieur. Il semble que vous ayez eu un accident. J'ai déjà fini. Non, c'est des scènes d'intro. On n'a souvent pas beaucoup de. On n'a pas beaucoup de... d'impact sur des scènes d'intro. Coincé. Mais j'ai voulu mettre le truc à droite, je pouvais pas choisir. Mais t'es sûr que c'est bien ta manette qui est sélectionnée dans les paramètres? Oui, je fais tout depuis tout à l'heure avec la manette. Ok. Oh damn. C'est une légère coupure, fais gaffe. T'as lâché. Non, j'ai pas réussi à aller à droite. Oh là là, je peux faire des trucs. Mais non, mais elle est morte, regardez, elle était tout coupée de la nuque là, tout coupée de la gorge. Oh la peau, la petite Barbie. Marie, vous gâchez votre toute dernière chance de lui dire que vous l'aimez. Arrivé, je tombe sur une scène gore. Oui, bah c'est un jeu d'horreur un petit peu gore, effectivement. Oh, on se voit mourir mutuellement, c'est presque romantique. Mais attends, dans ta salle de bain, t'avais une fenêtre et ça t'a jamais posé un problème? Écoute, enfin, comme j'ai vu le gars aussi en reflet dans le miroir et la meuf n'a pas réagi, bon, écoute. Mais je crois que c'est une fenêtre sans teint, en fait. Genre, un miroir sans teint, pardon. Trop romantique. Eh oui. Ils sont morts avant d'avoir pu pratiquer le sexe. Un peu tôt. Bon, c'est une scène d'exposition, en vrai, on peut pas trop agir sur ces scènes-là, ça nous permet un petit peu de comprendre le propos de l'opus. Pour chaque chose. Et chaque chose à sa place. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu affronter le mec. Tiens, regarde ça. Oh, c'est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi. Mère en serait malade, c'est tellement je magnifique. Sais. Mon brave, travaillez-vous ici. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de l'exposition universelle. Non, je suis pas sûr que ce fût scripté, hein. Je crois que j'avais le choix, hein.
Bah c'est qu'en fait, peu importe ton choix, ça aurait sûrement mené à ce résultat-là. Ah bon? Ouais, pour cette scène. Mais pour les autres, effectivement, faudrait que tu puisses choisir, ouais. Okay. Et là, on est sur l'intro. C'est pas copyright? Alors normalement non, parce que c'est des jeux qui sont très streamés et tout ça, et c'est toujours cette musique-là dans les opus. Enfin non. Dans Little Hope, c'est exactement la même musique et tout ça, et la même scène, donc je pense que ça va. Je peux pas baisser le son sans faire alt tab. Vous pouvez faire des prédictions. Ah oui, bah vas-y, enfin alt tab si tu veux. Hein. Attends, c'est pas grave. On s'entend même plus là. Vous dites si vous entendez bien Dilo, dites-moi. Hein. On peut pas passer. Non, cette scène-là, on avait essayé avec mon frangin, on peut pas passer, mais je crois que tu sais en plus. Oh là là. Tu trouves que ça colle pas du tout avec l'intro? Bah, avec l'univers, bien sûr, quand même. Oh, que tu. Parce qu'en fait, l'univers, ce sera contemporain en réalité. Hein. C'est juste qu'il y a toujours. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que dans chaque opus, on va avoir un petit. En début d'histoire, on voit un peu le. Je sais pas, une scène du passé qui correspond à. Au thème de l'opus, quoi. Donc là, ça va être, j'imagine, cet hôtel et ce monsieur, ou je ne sais quoi. Dans le précédent que j'ai fait cette semaine, c'était quelque chose qui se passait dans une ville qui s'appelait Little Hope, où on voyait un drame aussi, tout pareil. Et c'était le propos de tout l'opus, quoi. Ah mais moi j'aime bien ce genre de musique, j'écoute. Moi aussi j'aime beaucoup. Jamais, mais j'aime beaucoup. Moi aussi, franchement j'aime beaucoup. Ça fait très intro de série. Un petit résumé de ce qui vient de se passer. Un couple, je sais pas, du 19ème je dirais, qui vient de mourir dans un hôtel alors qu'ils étaient jeunes mariés, ils allaient y passer leur lune de miel. Et on comprend qu'ils ont été tués par le maître d'hôtel, propriétaire de l'hôtel, qui est bien bizarre. Voilà, pour le moment on sait rien de plus, on vient à peine de commencer. Et là, on voit le narrateur. Oh, c'est vous. Vous attendez depuis longtemps? Bienvenue dans ma collection. J'y garde de nombreuses histoires, sombres, effrayantes, horribles. Je suis le conservateur. Conservateur. C'est bon d'avoir de la compagnie. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais oui, c'est la voix de Morgan Freeman, oui. Si nul ne peut s'en émouvoir. Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Vos réactions, les décisions que vous prendrez, affecteront l'histoire. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Des répercussions que vous assumerez pleinement. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Or, en avez-vous déjà vu? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait oboles. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger. C'est marrant. Il y a un système d'échange. Ok. Sympa. Bien. Au bol de céréales. Non. Le spectacle commence. Pas des céréales. Je vous regarde faire. Oui. C'est parti. C'est parti. Et là, on va être normalement dans un monde plutôt contemporain. Les animations... Oui, les animations, c'est vrai qu'elles sont parfois un peu étranges.
Mais c'est aussi dû au style de jeu. Je suis Kate Wilder. Let's go. Et j'ai un master en criminologie. Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non, bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à UCLA. Et c'était passionnant. J'aimerais bien me remettre à la photo un jour. Mais ouais, c'est un bon job. Je suis machino et éclairagiste. Je mets les problèmes en lumière. On dit pas machiniste plutôt, non? C'est pas souvent qu'on fait des rencontres comme ça. Et bref, c'est les gens qui sont en régie, quoi. La prod, quoi. La prod, plus, ouais. Ouais, la prod, plus. Clairement. Je commence par mon expérience professionnelle ou ma vie privée? Parce que je veux dire, ça va être diffusé après. J'aime pas trop parler de ces choses-là. Ouais, Charlie Lonit, du Royaume-Uni. Je crois que ce qui me gêne le plus, notre dernière série, je me suis mute pour pas flouter de Dilo qui écoute, c'est le fait que leurs yeux bougent vraiment beaucoup et regardent rarement vers la personne à laquelle ils ont l'air de s'agresser ou vers l'action. Ça n'a pas vraiment marché. Je sais que cette musique. Je vais pas vous mentir, c'était un beau bordel. Leur tête et leurs yeux bougent beaucoup. C'est un peu étrange. Nous avons assez entendu. Assez ? Hein ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Oh, mais ce n'est que le début de notre nation. Je comprends pas. Vous ne semblez pas comprendre. Oui, je comprends pas. Le diable a toujours été en moi. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières. Pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord. Enfouissez-moi 6 pieds sous terre. Et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera de tuer à nouveau. Oh, yeah. Nous sommes le 7 mai 1896. Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque, suspendu pendant plus de 15 longues minutes, avant de rendre... Merci, Hers. Ça va être compliqué. Le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Il aurait pris 200 vies. Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. C'est pas du tiré d'une histoire vraie, le coup d'un... Son corps a été enseveli sous des tonnes de... D'un hôtel comme ça, Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu ? C'est pas le genre de sujet que je suis, quoi. Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir ? J'en avais entendu parler, mais je suis pas sûre. C'est une émission ! D'accord. Verdict. Oh. Ils ont adoré. C'est gênant. C'était un vrai procès. Honnêtement, ou pas, le truc, Charlie. Non, c'était une émission. On c'est dirait qu'une une émission sur une le procès de Holmes. Alors qu'il y a une émission sur l'horreur ou sur un truc comme ça, tu vois. Je souhaite parler à Charles Lonnie. C'est une vraie histoire. C'est moi. Appelez-moi Charles. Ah, d'accord, oui. Mon nom, Grand Thème du Met. Que puis-je faire pour vous, monsieur Dumet? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Écoutez. Ah. Hein? Hein? J'ai appuyé sur rien. Je vous remercie sincèrement, monsieur Dumet. Oh, le suspense brutal. Peur. C'est brutal. Que ce soit trop beau pour être vrai. Pardon. Non, je comprends. Je jouis d'une position privilégiée. Je ne manque de rien. Mais mon temps est des plus précieux. Nous devons commencer aujourd'hui. Ok, il va nous proposer un truc, mais le jeu, il veut pas qu'on sache quoi. Soyez prêts. Cet après-midi, on parle d'un tournage de 2 jours. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres ce week-end, et franchement, je doute qu'ils soient d'accord. S'ils disent non, autant vous dire que c'est mort. Ils arrivent tous de directions différentes, je comprends pas. Ne me faites pas perdre mon temps. Ils viennent pas ensemble à la gare. Ah, c'était pour présenter. Je pense que c'est une manière de présenter les personnages individuellement à la caméra un peu. Ok, donc qui est on qui fait ça. Qui
Enfin, moi, je prends qui. Alors ça, c'est... voilà, je sais pas. C'est le jeu qui va décider, je pense. C'est Monsieur Dumet qui vous envoie. Et on va alterner, normalement. C'était comme ça dans le précédent. Non, hein, je vais pas dans le coffre. What? Mais non, mais on a des bagages. C'est bon. Je vais pas dans le coffre. Parce que je dis, dis-le, elle voit un coffre qui saute. On dit, oh non, mais je vais pas dedans. J'ai dit hanté, parce que je venais juste te lire ton Spider-Man. Dans ça va être génial, je vous le dis. L'aventure, le frisson. C'est pas beau? C'est parti. Ouais. Limousine quand même, hein. Bien sûr qu'il y a de la place. Je sens que ça va être génial. Sympa, mais les coffres, le coffre il avait l'air petit. J'avoue. Genre certains avaient, c'est pas des grands sacs et tout. On peut savoir où on va exactement. T'aimes pas les surprises? Il l'aura pas dit à l'avance? Non. What the fuck? Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. C'était entièrement de ta faute. Mmh. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Donc, ah, ouais, ah oui, raconte. D'accord. Qu'est-ce qu'on sait vraiment, le tueur en lui-même a vraiment existé. Et obsédé par Achachol. On sait que c'était vaguement inspiré, mais pas du tout. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Dumet a des documents, des plans, des objets d'origine. Quand j'ai dit que ça sauverait l'émission, je racontais pas des conneries. Le mec qui les invite, les amène en limousine, et personne ne se pose de questions. Bah j'avoue que... faire confiance. Je préférerais savoir à leur place où je vais, parce que là ils savent même pas. Désolé pour tout ce mystère. C'est horrible. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Oh le pire bail. Oh le pire truc. Oh ça pue. Et genre ça sort tout seul en plus. Je ne peux risquer de voir des informations préjudiciables à mes affaires. Tout ça fait partie du plan, vous en aviez parlé. À mon insu. Il y aura des... Le son est trop bas en TLX aussi pour vous aussi, ou Hertz les images que vous souhaiterez utiliser. Après quand on parle, nous on parle plus fort, je c'est normal. Préserver ma vie privée. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est voilà, une occasion unique. Oui. Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. Ok. Mais donc là on va dans la maison de qui là? Pour l'émission... Vous allez voir, ça va être génial. Ah, je sais pas de qui en fait. Que t'avais dit à Topeka. Oh là 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 là. Ça craint, ça craint, ça craint. Oh, ça c'est bâtard de voir voler au sol dans le gazon là. Ça va niveau son? Ok, parce que si j'augmente, j'ai peur que des fois la musique soit très forte et que ça vous pète les oreilles tout le monde. Du coup, je préfère pas augmenter. Je vais juste essayer de pas trop parler. Tu mets un limiteur, ça veut dire que le son ne dépassera jamais un certain seuil. Oui. Non. C'est vrai. Il compte nous aider. Non, c'est bon. Je m'en occupe. Personne l'aide. Apparemment, on va visiter la maison obsédée par Achachol. Ah, obsédée par Achachol. D'accord. Mais on sait pas de qui alors. On sait pas qui est le propriétaire, on est d'accord. J'ai l'impression, hein. Il y avait un nom qui s'affichait. Mais... oh, putain, j'ai cru qu'elle allait se prendre le mur. J'avoue que je me fais pas de soucis parce que j'aime bien l'immersion. Vous me dites si vous les voulez. On peut faire un petit sondage. Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là, là-haut, on aura une meilleure vue. Moi, je suis qui, alors? Ça fait une belle hauteur. Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Je crois pas, je suis vachement sportif. Alors, le jeu, c'est écrit dans le titre et en dessous. Voilà, merci, Alix. Allons-y, Charlie. C'est gentil. Soyez prudent, oui, hein. C'était un plaisir. Allez. Comment ça se fait, Pignoufou? Pourquoi? Je faisais, j'aurais pas de même parce qu'en fait, j'ai une petite réaction allergique, là, dans la gorge. J'aurais pas de... Pas de soucis. Alors, moi, je suis le gars avec... avec l'appareil photo et le haut rouge, là. Et bah, moi, je me promène. Je suis là. Le mec qui a un compte à suivre. Oh, ah ouais. Oh. Bonjour. Ah, je peux sortir mon appareil photo. Oh, je vais faire des photos. Attends, je vais prendre en photo. Je prends en photo. Tu vas être magnifique. Bouge pas, chérie. Tu vas être super. J'y arrive. Ça en dirait du GTR. Ah, punaise, bien. Est-ce que je peux... Oh, je peux pas valider. Ah si, c'est bon. Oh là là, tu regardes au loin. C'est un peu dramatique. C'est beau. Je vais faire un zoom maintenant. This is taking too long. Ah. Hein? Ah, traduction qui a pas été faite. Oui, effectivement. Je me suis dit, ah. Voilà. Je t'ai pris en photo.
Je vais prendre notre l'équipe en photo. Je pense qu'on peut aller interagir et parler aux gens. Ça se voit que j'aime bien parce que tu fais des allers-retours et tout, c'est très très drôle. Oh, elle est jolie cette photo là, regardez. Moi j'aime bien. On voit que c'est la présentatrice elle. Alors, elle a un swag. Attends, vas-y. Ah, j'adore prendre des photos. Une photo de la fille là-bas là, qui regarde dans les airs. Oui. What are we waiting for? Attends, je vais essayer de la prendre parce que je sais pas ce qu'elle regarde dans les airs. Encore une traduction qui a été pas faite. Mais qu'est-ce que tu regardes en haut toi? Y'a rien hein. Pourquoi tu regardes dans les... Ça tire mal aux yeux. Bon, je vais essayer d'aller voir si je peux voir le cabanon. La trad, oui, là, il y a des petits... ils ont oublié. Oui, band gaming. Comment on fait pour courir? On peut pas courir. Je peux aller dans l'eau? J'y vais aussi, on va voir. Non, on peut pas. Ah, oh, je vais prendre toute l'équipe. Ah, mais attends, n'oublie pas qu'il faut chercher des pièces, hein. Et les ah oui, t'as raison. Oui, oui, on va bien fouiller avant de faire quoi que ce soit, là. Après, bon, là, on est au tout début. What are you waiting for? Go taper un crawl, mais oui. Ouais, il y a encore un. Ouais, un ouais, petit... ouais. Ils ont rien traduit, je crois. Oh shit. Et bon, bah c'est pas grave. Hein. Ah, je peux grimper là. Je m'en doutais. Attends, j'arrive, mais je peux pas courir. Non, non, t'inquiète. Oui, dans ce jeu, on peut courir que dans certaines phases bien précises, et sinon, on pourra pas, ouais. Oui, voilà, bah c'est par là. Let's go. Ah, j'ai fait interagir, ça fait ça. Ah, je te fais la courte. Ah oui. Ah. Oh. T'apparais. Ah bon t'apparais. Ah, moi je nous ai vu, non. Ah merde, oui, j'ai vu sur ton écran. Non mais arrêtez de parler en anglais. Hop là. Attends, le truc, c'est toi, quand tu prends une photo, tu regardes jamais ton appareil. C'est vrai? Mais oui. Attends, vas-y, j'en prends une là. Attends, je regarde sur ton écran parce qu'il y a un décalage. Ah oui! Attends, alors, de 1, tu n'as pas d'objectif. Ah, mais c'est bon, l'appareil est quand même dans le bon sens. Mais tu n'as pas d'objectif, je tiens à le dire. Et tu regardes pas l'appareil photo quand tu le prends en photo. Ah, c'est trop drôle! Putain, c'est... Merci beaucoup non, pour le follow. Il est quand même merci, Pitaboul. T'as un appareil photo avec un objectif dans le dos, mais pas celui que t'as dans les mains. Non, mais... Écoute, hein. Alors, désolé, je vais mettre les sous-titres, parce qu'on me les a demandés. Oh mon dieu, et prends le fond aussi, en arrière-plan. Ah oui. Parce que, ouais, alors, sous-titres, oui. Ouais. Et, alors j'ai mis oui. Dans des textes français. Hop. Par contre, bah, c'est dans affichage, peut-être. Non. De quoi? Le fait de mettre un fond. Non, c'est au même endroit. Bon, moi, je vois que sous-titres, oui. Paramètres. Et c'est barre latérale? C'est l'arrière-plan. Je cherche à l'arrière-plan sous-titres. C'est au-dessus de taille des textes, sous-titres. Au-dessus de couleur des sous-titres. Au-dessus de sous-titres affiché le nom des locuteurs. Au-dessus de. Ah, d'accord. Parce que moi, j'ai accepté de mettre des sous-titres dans un autre truc, dans d'autres paramètres. C'est dans accessibilité. Il faut toujours penser comme. Est-ce qu'on a besoin d'aide, tu vois? Est-ce que c'est accessible? Pour entendre, voilà. Couleur des sous-titres, non. Affiché du locuteur. Ouais. Ok. D'accord. Voilà, j'ai mis les sous-titres, les petits loups. Encore merci pour le follow, Pitaboul. Hey, oh, dépêchez-vous. Oh, ça va, on voit. Oui, ça va, on voit plutôt bien. Ah, je peux courir. J'ai plus, ouais, je sais pas. Oh, mais je cherche la touche. Ah, un corbeau. Oh, il y a peut-être un truc ici. Attends, je vais regarder avec mon superbe appareil. Ah, ça fait une jolie photo. Voilà. Oh, vache, quel boucan. Bah, c'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, mais quand même, ça surprend. Mais quand même, il y a des voisins. Merci pour les sous-titres, pas de sous. On doit pouvoir trouver un passage. Ah oui, j'avoue, je regarde toujours n'importe où, mais c'est ridicule. Prêt à tout pour une séquence, hein? Je vais remettre pause. Il me faut du... comment ça s'appelle? J'adore l'appareil photo. Dans le graphisme.
J'ai cru quelqu'un avait... synchro vertical. Il y a des grosses déchirures. Tu penses que ça va améliorer ça? Normalement, c'est censé, oui. La synchro verticale, c'est censé remédier à ça. Ok, je vais faire ça aussi, alors. Synchro... Ah bah, elle est déjà non. Non, mais tu mets activé. Ok. Parce qu'on m'a souvent dit aussi que c'est bien de l'enlever, ouais. Sinon. Moi, normalement, je l'enlève. Là, je l'avais pas activé, mais... On va la mettre. Écoute, on va voir. Maintenant, ils traduisent. Ouais, là, ça va. Là, ils parlent en français. On va voir. Attends, je te refais une petite photo, là, parce que t'es... magnifique. Hein, ça marche pas. Mais non, mais arrête de regarder là-bas. Ah voilà. Oh là, c'est moi qui le contrôle là. T'as pas envie que je fasse un truc? Non, mon perso, il bouge, ah. Et il regarde la tête super loin dans un... Vrai, ça a aucun rapport. Et ça m'énerve parce que du coup, effectivement, c'est un peu ridicule. Ça a pas l'air dangereux. La falaise risque de s'effondrer sous nos pieds. Désolé, mais je tiens à la vie. Non, ils ont juste installé ce panneau pour éviter les poursuites, mais ça craint rien. Éviter les poursuites. Ah oui, cliff érosion, je lisais pas. Ah oui, d'accord. Ouais, j'avoue que ça craint un peu ça quand même. On devrait pas s'aventurer là, hein. C'est trop dangereux. Bah ouais, mais on a le choix ou pas là? Non. il est quand même, ouais. Ah, Skip, il y a une pièce à droite. Pourquoi? Ah ouais? Pour l'excursion au phare? Non, pour ce voyage. Il l'a vu? Je crois que j'ai vu un truc briller. Après, les interactions brillent. Jamie et Kate ne seraient jamais venus si t'avais pas été là. Je me suis dit que, vu comment on galère avec la série, on ne pouvait pas vraiment refuser. C'est un geek. Ouais. C'est vrai. Tu as raison. Mentalement, ça s'arrange pas. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Asmo, qu'est-ce que j'ai fait? Et non, ma nouvelle caméra, elle est là. J'ai pas pu l'installer encore. Demain, peut-être. Ok. Tu sais quoi? J'espérais qu'être ici, loin de tout, coupé du monde, ça me permettrait de me poser un peu, de me changer les idées. De poser? Pourquoi tu veux te poser? Eh ben, pour souffler un peu. Ouais, pour être tranquille. Je vois pas l'intérêt. Jugement. D'où on me juge? Ça a dû être terrible. Memory of the victim. The Great Storm. Mai 1907. Ah, 187 vies ont été... oui, d'accord. Waouh. Ça fait un paquet de victimes. Ok. Cassiopeia. Traduire quoi, Corten? Il parle en français, hein, y a pas besoin de traduire. Je peux sauter? Je vais pas sauter là. Ah oui, là! Oh. Ouf! T'es où, toi? Oh, t'es là! What the f... Le mec, t'as l'air trop paumé. Voilà. J'arrive, je me promenais. Me voilà. Ah, on passe par le trou. Oui. Bon, faut faire attention par contre à la barre sur le côté, sinon on peut se couper le bidon. Ah, c'est quand même sombre. Hein. Oui, hein. Non, je t'ai dit, hein, si. Vraiment, je disais pas ça en l'air. Appuyez sur la flèche du haut pour allumer ou éteindre votre source de lumière. Ah ouais, bah moi c'est un appareil photo, du coup ça fait qu'un flash. C'est de la merde. Au fait, après le tournage, j'aimerais prendre 2 semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Tu es le seul qui a l'œil pour ce genre de projet. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, Charlie. Oh, ouais, bien sûr, je comprends. Prends 1 ou 2 semaines. Putain, j'ai qu'un flash. Oh, ça dégoûte. Oh là là, je me fais 3 voir. Tu devrais faire pareil. Prendre des vacances.
T'as pas de la famille chez qui squatter? Je suis en train d'habiller mon appareil dans l'eau là. Pas de Madame Lonit dont t'aurais oublié de nous parler? J'ai épousé mon job. Épousé mon job. Ah non, j'avoue. Et il rien, marche bien ce mariage? Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. Épousé mon job. Regardez comment elle glisse. Je te voyais pas du tout faire un pas après l'autre. Hein. Ouais, toi tout à l'heure, pareil, quand tu coulissais le long du mur, tu glissais. Perso, Dieu faisait des slides au lieu d'avancer. Bah oui, mais là c'est pareil. Je peux tenir la gorge de ce mec là. Bon, réaliste. Là, c'est toute forte. Je peux mourir. En vrai, je pense pas, je pense qu'à moins que... Quoique non, on peut mourir, je crois vraiment, dans pas mal de situations, c'est juste qu'au tout début, comme ça, au pire, je peux me rattraper, ou tu peux m'aider. Mais si on foire tout, ouais, peut-être, hein. Et le jeu dira quoi? Vous avez déjà perdu? Arrêtez. J'ai fait tout un jeu pour vous, là. Oh, merde. Un corbeau. Ah mais... Putain. Ah. C'est quoi cette horreur? J'aurais dû te laisser passer. Wow, c'est quoi ce truc? Elle l'a vu comme moi. Elle l'a vu comme moi. T'aurais pu avoir un petit indice. Je l'avais vu sur ton stream, je l'ai pas vu sursauter comme ça. Mais non. Oh là là. Oh mais non, putain. Ça va? Bah oui. Oh. Chose de merde. Oh, il arrive pas à monter. Oh mon dieu. Mais putain, il arrive pas à avancer. Non, mais c'est horrible. Non mais ton gars là, il a un filtre rouge sur son flash. S'il enlevait le filtre, il aurait plus de lumière. Oui bah j'aimerais bien, mais il me propose pas le jeu. Toi t'as ton petit briquet, mais là c'est peut-être plus nécessaire. Ah mais je te vois avec un petit briquet moi. Ah mais toi t'es pas bon, c'est pas grave. On se voit pas pareil. On y va? Oui on y va. Attends, regarde peut-être là-bas. La brume elle est superbe. Tu veux faire des plans pour l'émission? Je trouve ça beau, c'est tout. J'arrive. Ah voilà. Du photographe. Ah faut que c'est je filme. C'est pas un truc qui se commande. Ouh les pièces là. Il y a des points communs entre la créativité et les trucs commerciaux. T'en es bien sûr? Parce que les points communs avec Kate, c'est pas vraiment... On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré. Faut que je fasse des plans. Alors, attends. À chaque fois, le bon personnage, t'as raison, il regarde vraiment n'importe où. Ça me fume. Alors, je vais faire un petit plan du phare, là. Alors, il y a une maison et la porte, elle est fermée à clé. On peut peut-être tenter par la fenêtre. Ok, j'arrive. Je sais pas si tu me parles, hein, je t'entends pas. Ah mince, j'étais mis où, tant. Désolée. Ah, d'accord. Tu sais plus pour... Depuis quand hein? Depuis peut-être longtemps. Hein. Quand t'étais dans la grotte tout à l'heure, ouais. En thé ou grisou, je sais pas si vous pouvez non, mais attends, enlever non, le... D'accord. Le délai avant de pouvoir parler dans le chat. On l'a mis hier et bon, on va peut-être l'enlever aujourd'hui. Je le remettrai s'il y a besoin. Si ça te dérange pas, petit tenté. Salut Sam. J'espère que ça va. Ouais, là je parlais à mon chat. Excuse-moi. Alors, effectivement, attends, ouais, c'est... Je vais mettre de la lumière, ouais, c'est beaucoup trop sombre. Ouais, hein. Affiche avec luminosité. Allez, go pour 60... tu comprends mieux, maintenant. 60... 78, allez, hop. Oh là là, quel enfer. Hop là. Tac.
Et j'avoue qu'en plein jour, il a pas besoin d'utiliser son flash, hein, clairement. Ouais, ouais, mais en fait, moi, je te vois utiliser ton briquet, mais je me vois pas utiliser mon truc. Ah. Et inversement. Okay. On voit pas la même chose. Moi aussi, je vais remonter un petit peu. Hop là. Voilà. Ah, j'ai mis 76. Hein. Ah oui. Ah non, mince. Ah, voilà, ouais, j'ai du Royal Tab, excuse-moi. C'est bon. Le Corpi, bonsoir. Ce phare n'a vu personne depuis un bail. Pourquoi la sirène marche tout le temps? C'est parce qu'il y a toujours du brouillard par ici. Ils ont tout automatisé. Non, mais moi, mon flash me fait trop avoir. Ah si, c'est bon. Non, non, c'est l'éclairage de Dido. Mais je l'avais même pas allumé. Ah ben moi je le vois. Read please. Ah, alors. Il m'en voit rien. Important. Ah d'accord. Allez, courage, normalement c'est la dernière semaine. Le test d'hiver... d'hier soir. Pour la corne de brume a été concluant, je dirais que l'automatisation est au point. On fera un dernier essai aujourd'hui et ce sera bon. Vous êtes plusieurs à m'avoir signalé qu'un clodo traînait encore dans le coin. On va renforcer la sécurité du terrain et procéder aux dernières vérifications aujourd'hui et demain, juste au cas où. Mais mieux vaut éviter un accident. À part ça, tout le projet s'est bien passé. Continuez comme ça, nanana, avant la fin de semaine. TS, c'est signé un certain TS. Ou alors, je serai peut-être important plus tard, je sais pas. Ta poule. Ok. Ah non mais okay, vraiment le mec, c'est chiant. Il a même pas voulu le lire. Ok, très bien. Beau bug. Oui, faut que tu retournes. Ça j'ai déjà lu ça. Ok. Bon, je regarde aussi au cas où. Ah oui le. Ah oui TS. Fin, bah oui j'ai retourné mais ça instant. Ok. Unbind. Bon bah il y a du TS partout aussi, superviseur initial. Donc on a pas d'autres infos ici en fait. Non. Oh non mais moi avec ma lumière, mais c'est un flash, c'est trop nul. Ça te dégoûte. Et si je mets mon appareil... Non bah non ça marche pas, si je mets mon appareil photo, oui d'accord. Je rigolais. Bon, eh ben on va devoir aller ailleurs alors. Ah, je peux pas monter sur le rocher, je peux rien faire, je peux pas ouvrir la porte. Ah là. Ouais, ça c'est bien ça. Mais je peux pas y aller assis. Ah, si quand même, t'as même pas... Mais qui se colle contre le mur quoi. Oui, alors qu'il a la place, il est pas du tout énorme le gars, il se colle vraiment contre. Zach, vous passez même presque en largeur. Ah. Mais pourquoi il rampe? Ouais, bon allez, pourquoi pas. Oh non mais je te vois à plat, c'est trop drôle. J'aurais dû faire une photo. Est-ce que je te vois? T'as vu sur mon stream ou pas? Tu vois juste que ah ouais. Moi je te vois à plat et c'est tout. Bah tu vas peut-être me voir, tiens. Bah tu vas te retourner, ça se trouve tu me verras en train de... De glisser aussi. Oui. Non, toi il y a une animation. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est toi, tu n'es pas animé, hein. Ouais non, toi c'est bien fait. Bah j'essaie de rester allumé mais ça fait juste un flash effectivement. Je sais pas, c'est peut-être la particularité de ce perso, ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'une de nous l'aura, et ben on pourra pas avoir une vraie lumière. Possible, hein. Bon. Ah. Ouais. Ils sont tous très souples. Ils s'en remettent pas, ils ont ouvert un portail, ils ont... Oh merde. Waouh, on est trop fort. Bon, les pièces, je sais pas où elles sont, hein. Il doit pas en avoir beaucoup, hein. Je pense qu'il y en a une par chapitre. Mais effectivement. Ah. Tiens d'ailleurs, peut-être là.
Ah, une petite caisse à outils. Ah. Allez, utilise-la. La pince à cravate. A coin. Oh. T'as trouvé? Ouais, c'est un... C'est un bol. Une bol. Un bol. Une bol, je sais plus. C'est bien, moi, celui-là, ça. Et je pense du coup qu'il faudrait les donner au narrateur, là, conservateur. Si de temps en temps, je suis un peu dur, mais... C'est le ticket d'entrée de... Sache que sans toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. Je suis peut-être au volant. Au volant? Celui de Lonit Entertainment. Ok, bon, on sait ce qu'on va devoir faire, mais je vais quand même essayer d'ouvrir la porte. Par acquis de conscience. Je vais te faire un compliment. C'est gentil. Merde. Faut la pousser, hein. Non, j'aurais peut-être pu sauter. Oui, il est... Il n'a pas l'air d'être, un grand gymnaste. Au bol de soupe, oui d'accord. Faut que je t'aide. Pas, je pense qu'il faut se mettre de ce côté-là. Peut-être. Quoi? Parce que c'est là où il y a la poignée. Voilà. Excuse me. J'ai même pas eu le temps. Non, c'est moi qui monte. Ah, c'est un petit peu décalé, désolé. Ouais, c'est pratique. Ah! Merde! Allez, mais mieux. C'est bon là. Ça devrait être bon. Une obole, merci. Bah voilà, on a trouvé une obole. Oh, petit atterrissage. Oh, je t'ouvre la porte. Faut se cacher. LT, LT. Un. LT, je peux pas me coucher. Reste à moi. Oh non, non. Allez. Oh non, tu t'es mis à ma place. Oh, je suis bien dehors là. Ah, c'était une babette. En même temps, pourquoi se cacher? T'es pas resté, Bah oui, il fallait rester couché. Mais alors. Toi aussi tu t'es relevé, non? Parce que non, tu t'es mis... Au début, mais... Voilà, mais le problème c'est que du coup tu t'es caché exactement devant moi. Du coup bah, il a fallu que moi je me déplace et que j'aille à la place où t'étais à la base et le temps que je le fasse, bah, j'ai plus eu le temps. Parce que tu m'as piqué ma place en fait. Ok. Non mais dégage l'appareil photo. Allez. Non mais j'en peux plus. C'est quoi RT? C'est quoi là-dedans? C'est ça. Oh non non, ce petit mur là, ça me fait penser à du Resident Evil. La brèche dans le mur là. Ah oui. Resident Evil 7. Oui, tout à fait, t'as tout à fait raison. J'y vais moi. Attends, moi je suis en train de voir, ça fait du loot dans le frigo. Regarde, il y a un truc là. Il y a pas à bouffer là. RT. Ouf, ça, hein. J'ai une vision, j'ai une vision. Oh. J'ai une prémonition. C'est quoi? C'est une explosion d'un bateau dans les rochers. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai un... Faudrait que j'aille la voir aussi pour qu'elle soit stockée dans mes prémonitions. Je sais pas si tu peux l'accéder à ma prémonition. Non. Ou pas. Je peux voir que celle que j'ai déjà vue. Ah ça te met pause, oui. Pas quand tu fais la prémonition, mais quand tu cliques pour la revoir. Attends, je vais essayer de regarder aussi parce que ça m'intéresse. Faut que je monte à mes viewers. Oh, ma lampe, elle est nulle. Attends, on passe pas à deux, là. Comment tu me regardes? Oui, j'avoue. C'est si... Je comprends pas pourquoi mon perso a un délire avec son cou, là. Pourtant, vraiment, je regarde en face de moi, je te promets. T'as vu l'accident? Oui, j'ai vu. Bonsoir, cadavre. J'arrive pas à passer dans le mur. Mais il veut pas. Mais... C'est égyptien? Ah d'accord. Les obales c'est plutôt égyptien alors, d'accord. Il manque plus que des draps propres et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Ouais, quand j'ai s'appuyer, ça fait pas. Ça reste pas, hein. Ouais. Bon bah je vais prendre des photos, hein. On va s'amuser. Il va y avoir un vieux personnage qui va apparaître en arrière-plan. Oui, ça c'est très possible.
voulez bien mettre rien de Dilo dans le chat, s'il vous plaît, les petits loups. Tu l'as pas le stream deck? Bah si, mais j'avoue que je m'en sers, je pense. Penser, je te donnerai le truc pour que tu puisses mettre des liens. Je m'en sers pas assez, je pense, de mon stream deck. Oh, j'ai trouvé un corbeau empaillé. Regarde ça, c'est bourré de câbles. Merci, Anté, t'es adorable. Voilà, j'ai un mur rempli de trucs empaillés, si tu veux, là. Hein. Pourquoi? T'as vu ça? Quoi? Il a bougé. Qui ça? Il a pas bougé, c'est la musique qui m'a fait croire qu'il avait bougé, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes, le jeu? Il a pas du tout bougé, espèce de fou. Ah ouais, maybe. Ah, je peux plus le prendre. Il a pas bougé, c'est pas vrai. Ah, oh, bah viens voir le mur, là. Oui, je vais voir le mur. Ouh. Ah, je vais prendre une photo, tiens. Mais tu vois avec ma lumière ou pas? Je vois avec ta lumière un petit peu, ouais. Ah non, elle a pas. Et Corbac. Mais j'ai pas du tout la même que toi. Ah non, non, mais je te vois même. Là, je vois qu'avec ma lumière et elle est vraiment pourrave, ma lumière. Je vais faire un petit flash. Il a bougé. C'est pas vrai! Honte de fou. Donc c'est plein d'animaux empaillés. Charlie, merci. Ça devient carrément bonsoir, flippant là. Bonsoir. Ça va, c'est de la taxidermie. Détends-toi. Un hobby quoi. Un hobby. Je vais prendre en photo l'oiseau. Bon, j'arrive pas à baisser mon appareil et puis mon personnage à chaque fois il regarde n'importe où. Ah, il y a un truc qui brille là. Ah. On va prendre le jeu. Écoute, c'est pas vrai, c'est la caméra elle a fait. Hein? D'accord. Oui. Bonsoir à toi. Je parle un peu anglais parfois parce que j'aime l'anglais. C'est parfait. Oui, la rambarde va se casser. Oui, arrêtez de vous appuyer là. Tu me fais un panneau sur le lac jusqu'à ce que l'île arrive dans le champ. Et là, tu zoomes sur le phare. Il est où le phare? Il est à gauche. Tremblote un peu quand. Oui, lâche pas son flash là. Oui, grave. Allez, viens, on redescend. Ah oui, sur il ton a plan. Le bateau. Moi je vois mon plan normal, toi tu me vois avec un flash dans la main, c'est ridicule. Non, mais clair. What is that? C'est la passerelle tenue par une chaîne. Y a ça dans God of War. J'en sais rien. Je l'ai eu quoi au téléphone. Mais comment il a su de quoi parler notre docu au fait? Je ne lui ai pas demandé. Mais demande des infos avant de t'engager dans une aventure, mec. Essaie d'être sympa, ok? Je trouve que ce personnage est un petit peu léger, hein. Bonjour, Monsieur Lonit. C'est moi. Je suis Grand Thème du Met. Montez à bord, le bateau va partir. Monsieur Dumette. Voici Marc. Marc. Erin, Jamie. Enchanté. Et voici Kate. C'est un honneur, Monsieur Dumette. Voilà, présentez-vous un peu là. De découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Voilà. Et quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Ouais, j'avoue. Heureux de vous rencontrer. Bien, mettons-nous en route. Mais bon, les autres, ils ont même pas dit un bonjour. C'est quoi ces sociaux là? Ce n'est rien. C'était donc votre grand-oncle qui... Encore un peu de patience, je vous prie. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui, d'accord. J'aurais préféré qu'on monte sur un bateau. Non, mais ça, c'est plus stable. C'est vrai. Surtout quand tu transportes des gros trucs. Ah ouais, même ta voiture, elle roule dessus. Ouais. Ça se roulant, mais les bateaux, ça aurait été classe. Ouais, mais non. Ça a fait une arrivée stylée. Il a pas l'air rassurant, le mec. Ah, oh, je sais pas. Oh, il... Vous, c'est quoi, personne qui sourit? Il est... sauf les deux premiers à droite, là. Ah oui, moi, je regardais surtout les deux premiers. Mon perso, il a un grand smile, il est là, comme ça. Mais un sourire un peu... Il avait des yeux un petit peu tristounes, c'est comme ça. Qu'en est-il, frère? Je crois que tu fais des imitations, mais on te voit pas. Si, si, on m'a vu après. Ah ouais. Ne pas rien dire. Ah non, ne dis rien, Pitaboule, s'il te plaît. Nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Oh, s'il te plaît. Merci de rester groupé. On ne s'éloigne pas. Le bateau, ça aurait été un meilleur moyen de fuir, ça c'est vrai. Non, aucun danger. Vraiment? Je vous trouve pas très convaincant. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours. Si quelqu'un vient à se blesser, alors prudence. C'est vrai que là... Désolée, je l'ai mis n'importe où ma fenêtre. Merci beaucoup, Trafil.
tu joues Kate. Si j'avais su, j'aurais pris une tenue de randonnée. Désolée, j'ai mis les fenêtres à son n'importe où, y'a rien qui va. Merci beaucoup, Trapil. C'est vrai. Ton 47e mois d'abonnement, mais c'est incroyable. Merci. Je me demande si tu l'as empêché d'entrer. Zéro spoil, zéro info, merci beaucoup. Sérieux, être sur une île privée, ça suffit pas? C'est quoi la suite? Charlie, il est hors de question que je me laisse fouiller. Une entreprise, ouais, j'avoue. Un placement, une collection d'art et Dieu sait quoi d'autre. Cette clôture, c'est... Non, mais tu préviens à l'avance alors que les gens vont être fouillés et tout et tout. Ça me fout les jetons. Avance. Marc, prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite intro ici. Je veux faire quelques plans sur le chemin de l'hôtel. Pas besoin de tout filmer. Kate, tu te mets face caméra et je te dirige d'ici, ok? Pas de photo. Oh. Aucune image de moi, merci. C'est bien clair. Je tiens à ma vie privée. Pas de soucis, monsieur Dumet. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Oui, c'est une émission de télé. L'intro habituelle, Charlie? Oui. Lumière, ok. Pour moi, c'est quand vous voulez. Erin? Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Est-ce que Kate est prête? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Je vais finir par t'aimer. Ça tourne. C'est quoi, c'est... Et... Ce ton... Action. Je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Oh, sympa ce plan. Tu te tournes vers la maison. Et vas-y, tu marches. Ça suffit, allons-y. Et coupez. Il faut vraiment. Il est rentré dans le champ. Bah, il... Comme vous voudrez, monsieur. Rentre pas dans le champ, tu veux pas être filmé, mec. Par là. Tu feras d'autres plans. Hein, t'inquiète. Ouh. On va faire des plans sans lui dire. On l'a. Oh là. Mais. On fait de la mettre chez monsieur Dumet là-bas. Oh, jeu de mots. Oh. Oh. Monsieur Dumet est un homme bien mystérieux. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs, sans qu'il le sache. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Ouais, enfin c'est louche, clairement. Ce qu'il essaie de cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu fasses comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux? Ah! Aïe! Oh merde! Putain! Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Ah, trébucher sur ton ego? Nous occuperons d'elle une fois à l'hôtel. Oh, merde, oh la punchline! Jamie, reste avec elle. Pourquoi moi? Tu es la plus qualifiée. Tu l'as soignée à Glendale. Tu t'en souviens? Oh, ouais. Ok. On va chercher de la glace et des bandages vite fait. Vous avez ça à l'hôtel? Oui, bien sûr. Alors en route. C'est quoi ce cirque? Viens, je t'expliquerai plus tard. T'as fini par prendre des cours de théâtre? Les coquinettes. Ouais, ouais. Il veut quoi, Charlie? Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Ouais. Allez. Joe Chuck. Mais non. Le mec, il est même pas éloigné qu'elles sont déjà en train de faire. C'est vrai que par contre, elle pourrait attendre 2 minutes, quoi. Et là, elle a tiré sur quoi, là? J'ai pas compris. Elle a tiré sur... je sais pas. Bon, ok, il va falloir sprinter. Hey, si je te pose une question, tu peux me répondre sincèrement? Je veux dire, sans que tu fasses la maline comme toujours. Ouais, c'est pour ça que je veux pas louper le loot, moi. C'est donnant. Godas, à ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver l'émission? Je trouve des Godas. Je sais. Si on chope le Saint Graal des images ou de l'info dans cette baraque. Attends, RB, je crois que savoir c'était quoi? Non. Il y a eu un flash. On aura des images sympas. Regarde. Ouais. C'est pas ça qui va décider l'émission. Quand tu la tournes à mi-chemin. Elles sont trop propres. Ça va être flash? Non. Attends, je vais recommencer. Ou sinon, il faut que j'aille dans les menus. Oui, pour voir ton flash, je pense. Comme moi, avec le corbeau qui a bougé. Et où toi, il a pas bougé. Alors, attends, bon, je le relâche. Faut que j'aille dans Start, non? Ouais. J'aille dans quoi? C'est où? Existence du mot discret. Oui, bah, en fait. Collection. Je sais que ça me fait plus marrer que peur. C'est depuis quoi? 5 minutes? Secret... Non, je comprends pas là.
quoi ça nouveau? Ah, escarpin en talon cassé. Oui. Mais encore. Qu'est-ce que je dois dire à propos de ça? Bah, c'est sûrement que ça nous donne peut-être un petit indice pour le futur, mais. On verra. Bon, très bien. Donc, on n'en sait rien du tout. Ah. Ah, bah, j'ai pas mis jeu sur la SSD. Hein. Quoi? Quoi? Une boîte! Oh oui, money! Yes! Trop bien! Ok, très bien. Bon bah, hein. On va passer par cet arbre. I can do this. Ah. Tu peux le faire. I can do this. I can speak in English. Sometimes, but not all the time. Bang your head. But I want to speak English for now. Non, par contre, quand elle veut éviter un truc, elle se baisse beaucoup. Non, elle vient longtemps. Non, mais en fait, toi, t'étais déjà en train d'utiliser le chemin. Du coup, ça m'a fait rebondir en arrière, loin. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que parfois, pour nous synchroniser nos actions et tout, ça va te forcer un peu à être quelque part alors que tu y étais pas ou des trucs comme ça. Bonjour. Dis bonjour à qui? À toi, je te voyais coller à moi. Ah bon? Oui. Mais moi je te vois pas. Ah parce que t'as, en fait ta cam était tournée. Bah, je suis derrière toi en fait depuis tout à l'heure. Je te jure que je te vois pas. Oui alors parce que là je suis passée, tu es là. Elle va faire un screener, ah t'es là. En fait, tu m'as vu que tu regardais, en fait tu avançais avec la caméra, tu sais, en la caméra face à toi en gros. Du coup, tu voyais pas que j'étais derrière ta caméra. En gros, c'était oui, ça. Sauf que je te jure que quand t'es pas. Après, quand je me suis retournée. Oui, parce que je suis partie sur le côté vu que tu m'as bloqué. Non, mais. Je te promets, c'est pas possible. Bonjour à la scène. Non, il y avait un truc chelou. Là, elle est derrière moi ou pas là? Oui, là, j'étais c'est encore là, derrière toi. Mais je te vois pas, je te vois toujours pas. Ah, mais c'est chelou, là, j'étais vraiment au même chemin que toi. Ouais, non, il y a un souci de synchro alors. Bon là je suis plus là hein, mais j'y oh étais. Ah là t'as retourné là-bas là. Ah oui là c'est bon hein. Je crois que ton perso il bug. Ah mais là tu TP, c'est quoi ce mais ah oui je me TP, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que tu me vois pas. Bon, on va essayer de resynchro hein. Il aurait pu nous le dire qu'on allait faire du sport. C'est bon tu me vois normal? Hop là. Ouais. Et cours. Y a rien sur toi. Une parodie de The Quarry. C'est plutôt The Quarry qui est inspiré de ces jeux-là en fait. Évite de les Dark Picture Anthology, ils datent un petit peu maintenant. Et c'est les héritiers de Until Dawn qui datent aussi un petit peu. Je te vois slider. Ah non, là, c'est bon. Mais putain, ah t'es tombé. Je vais bien. Pardon. J'ai cliqué à droite t'es et tout. T'es pas défiguré, j'espère. C'est toi le visage de la boîte. Ferme. Ah ouais, t'as raison. Ah, si t'es tombé. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai pas compris. T'as besoin d'aide ? Non. J'essaie de te détendre un peu. Mais bordel, il est mal foutu ce bout de bois, là. Le premier blocage du jeu. Ouais, mais pourtant, je clique à droite à fond, hein. J'appuie même pas devant, je clique que à droite. Tu vas voir, tu vas tomber au même endroit que moi. Voilà. Ouais, t'as raison. Non, mais... Pourtant, je sais pas, je fais le même rythme en fait. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Faut qu'on apprenne. C'est peut-être l'analogue de droite. Ah, c'est l'analogue de droite, pas l'analogue de gauche. Oui, non, mais The Quarry, c'est ça que je veux te dire, c'est que lié à ce jeu. Oui, ouais, moi je suis. Ton analogue de droite et pas l'analogue de gauche. Mais pourquoi l'analogue de gauche? Bah, parce qu'on se déplace avec l'analogue de gauche. Mais bizarrement, dans ce jeu, quand tu marches sur un tronc d'arbre, tu utilises. Ah, ouais, d'accord. Ah, ça fait très bizarre. Ah, ouais, ok, d'accord. Pour rééquilibrer. Ouais, tant que je suis pas totalement partie, tu peux pas. Mais ok. Un tronc d'arbre.
Non, rien à voir. Comme ça, rien à voir. Elle est pas pliée à l'aise. Ah si, si, je pense que ce quarry n'existerait pas si ce jeu, si ces jeux n'existeraient pas. Très honnêtement. Si tu n'existes pas. Alors... Les jeux n'existaient, oui. Pourquoi je vois ma souris d'un coup? Je veux pas la voir. Pas du tout, là. On voit rien. Dans un c'est quoi ça? Ouais, c'est un film clair. C'est un montant. Ouais, ouais. Mais. Ah, on l'a pas ok. Je sais pas, je pouvais regarder, mais juste allez, regarder. Moi, monter. Toi et moi! C'est là avant toi. Le quarry et Dark Picture. Ah bah si, 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 c'est les mêmes styles de jeu. Hein. Qu'on le veuille ou non. Hein. Ça va, ça va. C'est le ton qui est différent. Dans The Quarry, on est oh là sur là, un style plus comique. Par contre. Monter pour redescendre tout de suite après, quoi. C'était... Vous vivez ici, ah oui. Sur cette île, ah, est-ce que avec votre famille LT. Ah, c'est pas le bon bouton. J'ai fait RT, moi. Ah, moi, je... ça s'est pas affiché, du coup, je voyais pas. Pas vous blesser. Je voyais pas mon perso, mais bon. Ils nous ont pas vus. Pas les mêmes devs. Oui, non, mais bien sûr. Allons-y. Comment on les a rattrapés? C'est n'importe quoi. Je dis pas que c'est les mêmes devs. Je dis que The Quarry, c'est inspiré de The Dark Picture. En fait, c'est pas besoin d'être les mêmes devs, hein. Et justement, bah, The Quarry, c'est un délire un peu plus comique, un peu plus second degré que The Dark Picture. Mais oui, oui, bien sûr, je me dis que c'est le même dev. Hein. Mais ça veut pas dire qu'il y a rien à voir. Vraiment pas, au contraire. C'est parce que ces jeux ont eu du succès qu'il y a eu The Quarry. Non, mais par contre, c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes devs, oui, je sais. Non, éditeur, je sais pas. Bandai Namco, ils font pas aussi... Alors ça je sais pas, parce que je me suis pas renseignée beaucoup sur The Dark Picture. Sur The Quarry. Et je me demande d'ailleurs si justement... Alors les développeurs, est-ce que... Je sais pas si c'était les développeurs ou les éditeurs qui s'occupaient maintenant de ce jeu-ci, mais c'était pas le cas sur les anciens ou plus. Mais je dis peut-être ah peut-être. C'est Bleu Cipo. Tu regardes là-bas où t'es, toi? Ouais, je peux interagir avec le funiculaire, donc j'attends que t'aies un petit peu regardé les environs, parce que je me demande si ça va pas te forcer à venir vers moi ou je ne sais quoi. Parfois, des actions qui font que... qui nous resynchronisent un petit peu dans ce qu'on fait et qui vont... Je suis passé par derrière. Ah ouais! Tu vas peut-être trouver une caisse. Attends, mais moi, ça veut dire que j'entre dans le bâtiment toute seule, là? Ah, je suis pas en confiance, hein. Attends, j'arrive. En train de me fumer, ouais. Il y a un cadre. C'est toi qui cherches un nouvel appart? Ah, quand il y a des trades, quoi, en fait. Pas sûr d'avoir les moyens de vivre ici. Par contre, c'est vachement... Oh! Moi aussi, je veux venir, moi aussi, je veux venir. Oh, il y a une prémonition qui a été débloquée, là. Oh non! Non, je veux pas! Si c'est, qu'est-ce que c'est? Non! Faut pas le choper là! Quelqu'un qui. Ok, je trouve genre une sorte de cadavre en gros. Ok! Mais ça m'a l'air bien tout ça. Ah, il y a quelque chose par terre! Derrière moi, il y en a un autre. On va chercher l'autre d'abord. D'accord! Là, c'est le mien. Oh mais là tu as déjà vu. Mediterranean Cruise 21. Ok. Examiner, oui. Je sais pas si derrière le papier il y a quelque chose, j'ai pas réussi à le prendre. Enfin je l'ai ramassé mais j'ai pas réussi à le prendre. Keep looking. Là à mes pieds, donc le papier que t'as voulu prendre, regarde si tu peux le retourner. Ce britannique, ok. On dirait que la maison a pris feu. Un petit peu calciné. Ah oui. Ah, je vois la famille du gars qui nous a mené avec la parcelle. La passerelle, pardon. Salut, Saucis Kebab, merci beaucoup. On voit sa famille. Et ça date de 2021. Croisière en Méditerranée 2021. Ouais, j'arrivais pas trop à lire Méditerranéen crise, je voyais, moi. Ok. Ah, très bien, je vais ouvrir la porte. Nice. Paraît bien glauque, tout ça. Vous avez. Oui, c'est vrai que c'est... On reste dans le thème. Et attention, je saute. J'arrive pas là. Mais si, t'es pas obligé de courir en vrai. Ah d'accord.
la photo est là. J'avoue que c'est bizarre. Pourquoi, pourquoi la photo de sa famille est là? On est observé. En même temps, là, on n'est pas censé être là, nous. Hein. On est passé par des chemins qu'on n'a pas le droit, normalement. Hein. Ouais, mais c'est qu'on n'est pas vraiment seul. Il y a un mec jaune. Et ah oui, ça, j'avoue. Le mec avec le truc. C'était Dead by Daylight. Ah ouais, non, pas du tout. Mais on est sur un thème horrifique. Oh, quelque chose à mes pieds. Je sais pas, il est où? Là, c'est où, là? Là, là, examiner. Une pièce! Oh oui! Fantastique. Putain, elle était dans le gazon, quoi. Ah, faut bien chercher, alors. Eh, les pièces, c'est pour réanimer les potes. C'est peut-être ça. C'est trop ce que je me dis aussi. Oh mon dieu. Allez, monte là. Pourquoi il y a un bruit de bois quand on escalade la pierre? On dirait une colonie de vacances pourrie. Oui, c'est vrai qu'il y avait un bruit un peu de bois. Ok. Si j'arrive à déplacer le wagon jusqu'ici, on devrait passer. Ah, faut faire une sorte d'énigme. Droite, à gauche. Ok. Mais je peux pas interagir par contre. Il va falloir activer les boutons dans un certain ordre, mais peut-être que c'est des boutons où toi t'auras accès ailleurs. Il va falloir qu'on coopère. Ok, je sais ça. Quand le jeu me laissera examiner, je te dirai ça. Oh ouais, une boule. Ouais, nice. Avec une tête de mort dessus. À ce prix-là, on va pouvoir tuer tout le monde et ressusciter. Ouais, c'est ça. Oh, 6. Ça a monté jusqu'à 6. What? Oh. Ouais, hein. Bien ça, hein. Oula. Mais tu dois pas rester de ton côté, là. Tu veux pas aller... De bah là-haut, j'ai rien eu, à part ça. Donc peut-être faut que j'aille. Ouais, faut que je descende. J'essaie de descendre déjà. Oh, mais pas vers moi, vers le portail de l'autre côté. Bon, je sais pas. En fait, je peux aller. T'as vu l'état du panneau de commande? Il est mort. Et il y a sûrement pas de courant. Moi, j'avais pas encore examiné le portail. Alors, on y va. Je peux descendre, oui, c'est bon. Si, ça doit être le total. Bah j'ai tout à l'heure j'en avais qu'un, alors que Jill en avait déjà trouvé un, donc je pense que... Attends, déjà je vais ouvrir ça. Donc là, je sais pas, je pense que selon le motif de l'obol, eh ben c'est... Ça donne des... Mais comment t'as fait pour ouvrir? Avec ma poignée. Mais tu as trouvé où ta poignée? Sur la porte elle-même. Elle était à l'intérieur, c'est parce que je suis passée à l'intérieur. Du coup, bon, je vais faire ça. Voilà, j'ai mis on. Ok, bah je vais aller voir les puzzles. Cherche oui. Voir si c'est des pièces. Ça. Tu crois que tu peux le faire fonctionner? Bah, inspecte là, non? Une caisse à outils, elle est très rouge, j'ai envie de l'ouvrir. J'arrive pas à inspecter le tableau de tout à l'heure. Ah, moi je peux. Ah, d'accord. Appuyez sur. Ok. RT. Non ah mais non. Je comprends pas là, t'es où? Sur le panneau. Le premier ou le deuxième? À la caisse rouge ou pas à la caisse rouge? Pas à la caisse rouge. Ah ouais, pas tu à la caisse rouge. Non, mais je un petit souci de synchro je crois. Hein. Un petit souci de synchro je crois. Oh putain.
Ah non. Hein? Ah mais du coup je peux pas utiliser le truc maintenant. What the fuck, attendez, y a... Hein? Attends. Ah oui, non, excusez-moi. Pas très clair la flèche. Enfin bref. Ok, ok. Ok. Let's go! Non, le funiculaire et les autres ils vont le voir loin là, de loin. Ouais, je trouve que c'est pas giga discret. C'est pas, j'ai vu mieux. Ah, c'est pas fou. Ils vont le recycler combien de fois ce plan là de mon visage en gros plan? Ah, mais c'est parce que t'es mystérieuse. Ah, j'ai rien fait à scène. Si, tu m'as vu me téléporter. Mais non, même pas. T'es resté au premier endroit. J'avoue que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, cinématique. T'entends? Oh, le mec en jaune! Se cacher! Mais on se cache où? Là! Bonjour. Je me demande qui tu es. On a raté total! Et moi, j'étais en plein milieu, tu vois. Je me suis dit, mais il faut que je me cache derrière le muret, là, en dessous. Faut pas qu'il nous voit, toi tu t'es mis derrière le caillou où il pouvait nous voir. Ah bah non, moi je me suis mis là où le jeu me disait de me mettre. Hein. J'ai vu une grosse flèche au niveau du caillou, je fais bon bah c'était ça. Ah j'avais pas de flèche du tout. Oui voilà, mais j'ai aussi regardé le mur au début, j'ai pas vu de flèche, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu le caillou et voilà. Mais je suis d'accord avec toi qu'on se serait collé au mur, ça aurait été 10 fois mieux. J'ai pas une flèche, voilà, je l'ai par terre. C'est moi. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai raté un. Hein. C'est ton talon, le talon. Ah bah c'est le talon de la chaussure. Ah bah voilà. On a trouvé un secret. RB, j'ai cliqué dessus, désolé. Vas-y. Le talon d'escarpin, une femme m'a trébuché sur l'île cassée. Bon, ok. Donc ça, en fait, on va avoir une histoire avec ce talon et tout ça, on va avoir une autre truc et tout. Donc, l'indice 10, c'est la chaussure, le 20, c'est le talon. Le 31, c'est toi qui l'as trouvé. C'est la petite famille, là. Ouais. Ah, donc, d'accord. Un secret. La technique de cache-cache. Achille, on est vraiment pas... Pas très doué en cache. En plus, ça touche bien avec leur doigt, donc maintenant il y a les empreintes. Et là, je peux pas ouvrir là. Ah, elle va me sortir une poignée, Lox, on sait pas d'où. Mais non, mais c'est parce que je suis passée de l'autre côté. Depuis la hauteur. Du coup, effectivement, depuis l'intérieur, en passant de l'autre côté, il y avait une poignée. Mais donc, on peut pas aller aux explosifs? Mais en même temps, pourquoi faire? Bah, il y a forcément quelque chose. C'est peut-être du décor, ou peut-être plus tard, ou peut-être qu'on a raté un truc. Hey, je sais pas. Oh. Ah, d'accord. Oh. Ah, bah, ce sera pas plus tard. Oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, monsieur. Ouais. Tout le monde est là. Allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumet sans se disperser. C'est compris? Kate. N'a rien trouvé en vrai. Enfin si, le gars en jaune. Ça c'est le truc le plus intéressant. Et la photo. Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. T'inquiète pas pour ça. Oula. Mon dieu. Tu viens? T'es sujet au vertige? Peut-être. Oui. Y a aucun risque. Ce type dépense des millions en sécurité. Il aurait construit un autre pont si c'était pas solide. Ouais. Tu parles, tout est vieux et tout défraîchi là. C'est rien d'autre que de l'eau en dessous. Surtout beaucoup de cailloux, ouais. Sur des rochers escarpés. Voilà. Attends. C'est pas un squelette que je vois là. Ah, c'est très marrant. Allez, avance. Oh, c'est vachement haut. Ça va? La vache.
Moi, je peux pas rester. Tu peux le faire. Regarde devant, pas en bas. Ça ira. C'est bon. Oh, c'est mignon. Bah, on allait passer 3 heures sinon. Oui, c'est vrai. C'est rien que de l'eau en dessous. Tu sais nager. Non, mais arrêtez de dire que c'est rien que de l'eau. Plutôt solide. Hostia, quoi, ça fait pas ça, fait pas ça. Allez. Il va tomber dans les pommes. Non, mais restez pas au milieu, c'est encore pire en fait, en vrai. Ça. Tu vois, c'est facile. Je regarde pas. Ah, tu regardes quoi là? Je regarde tout droit. Ah, comme quand il était avec son appareil photo, il regarde pas. Tu vois? C'est pas allez, dur. Je laisse ça, s'il m'a dit, tranquille. Merci. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. On devrait rejoindre Monsieur Dumet. Où sont-ils passés? Excusez-les, ils viennent de la ville. Allez, on se bouge, on n'a pas toute la journée. Donc le mec, tous les jours, pour aller chercher les lettres, sortir sa voiture et tout, et c'est ça, pour aller faire les courses. Il passe par ce pont dégueu, là. Ouais, non, il y a une autre entrée, de toute façon, il y a lui, là, il passe par un autre chemin. Il est pas passé par le pont, lui. Ah non, merde, ouais. Oh là là. Je crois qu'ils vont s'embrasser avant la fin du jeu, ouais, peut-être, ouais. C'est beau. Monsieur Dumet, cet endroit est incroyable. Ouais. Ce sera peut-être pas un week-end perdu. Salut. Je me demande qui tu es. C'est une gamine. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'elle ressemblerait j'ai vu une gamine. À celle qu'on a vue sur la photo, je me rappelle mal. Dark Picture fait Breaking Bad. Mais oui! Oh, je vais. Non! Allez, vas-y, je fais pas ma passive agressive nulle. C'est sûrement la fille de Dumet. Elle t'a reconnue. Elle est timide. Ah. Et elle ose pas venir te demander. Ah, bah c'est la même réponse quasi. Peut-être. C'est provoque constante là. Tout ce qu'il y a ici est fragile. Surtout faites attention. Il a pas l'air bien, hein. Il lui arrive là. Ouais, il est agité, il est agité. Oh mon dieu. Oh, on revient pas. Waouh. C'est vite ta maison là. Regardez ça. C'est à tomber. C'est juste c'est sale. Voulez-vous bien c'est toi le fragile. Tout est fragile, ouais, surtout toi, ouais. Il y a pas tout le matériel là. What? Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de Kate nous a ralenti. Erin, mes cigarettes. Dans le sac à dos bleu. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour le dîner. À 20h. Monsieur Dumet, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est où c'est la salle à manger? C'est vraiment un lieu fantastique. Je vous l'avais pas dit que c'était un super plan? Ah, je le savais. On a de l'argent pour toi, mec. C'est lui? Là, je crois. Moi, je pense que c'est une dame vieille et peut-être ah pas ouais, vivante. Il y a des cheveux à droite, ouais. Ah. Ouais, ouais. Te voilà enfin. What? Boulot. 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 Tu n'as pas arrêté de la journée. Et moi, pendant ce temps, je me faisais un sang d'encre. Tu t'es volatilisé sans même me laisser un mot. Oh. J'ai vu un plan où je voyais une dame sur une chaise qui avait l'air morte. Enfin, quelqu'un aussi, sur une chaise. Oui, on a eu la même. Ouais. Est-ce que je peux faire une petite pause pipi? Yes. Et je dis bisous la VOD. Au revoir VOD.